va nous donner du chaud. Un couteau suisse, il est partout, c'est un régal. Dwayne Wade, et petit à petit, c'est devenu LeBron James. Ça dépend de mes humeurs, soit ce sera un peu de rap US ou français, ou soit ce sera un peu de musique africaine, ça dépend en fonction de mon humeur. Il y a beaucoup de musique, un peu de variété française. Hein. On ne s'attend pas forcément à voir écouter des fois du Christophe Maé, des choses comme ça, du Olivia Ruiz, mais ça arrive de temps en temps. Henri Soussarachid, je pense être un très très grand cuistot. Je pense avoir des qualités naturelles à ce niveau-là, donc je ne me vante pas, hein, je fais que relater des faits. De pouvoir réaliser tout ce que je veux. Pression Bergers, pardon. Le joueur qui m'impressionne dans l'équipe, jusque-là, j'hésiterais entre Boris et Damien. Et Boris, je pense que vraiment, il colle vraiment bien à l'équipe, à ce style de jeu. Et depuis le début, vraiment, de par sa polyvalence, je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup. Donc il m'impressionne vraiment, et puis il le fait avec quand même une bonne régularité. Et Damien, je pense que depuis là, il a quand même passé un cap parce que tout le monde sait que c'est un très bon joueur, il n'a pas été en NBA pour rien. Mais là, je pense qu'il a gagné quand même en régularité depuis le début de la pré-saison, où il a dû porter beaucoup de choses, il a été vraiment très régulier, et, il a vraiment bien progressé sur son tir à 3 points, donc je dirais entre Boris et Damien. Jérémy Nzoli, je dirais. On va dire que je ne suis pas assez avec l'équipe pour juger, voilà. Je triche. Jérémy Nzoli.